Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis accompagné de moi-même en fait, tout simplement parce que ça ne sert à rien que Fufu rejoigne, nous sommes encore dans le tutoriel et donc il ne peut pas rejoindre dans le tutoriel, donc ça ne sert à rien, autant continuer malheureusement sans lui. Donc c'est parti, j'avais pas souvenir que dans Daylight 1 c'était aussi long. Je crois pas même, mais là c'est vrai que c'est un sacré tuto les gars, hein. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont clairement pas là pour rigoler. Allez on est parti. Donc direction la ville, il fallait prendre une sorte de petite trappe, souvenez-vous. On va y aller, parce que sinon il y aura pas de suite, et il y aura pas d'aventure. Et s'il y a pas d'aventure, il y aura pas de fufu, et ça c'est un peu dommage. C'est dommage, on peut même pas, on va peut-être fouiller quand même ça. On peut même pas apprécier le jeu à deux, enfin l'intro en tout cas. Oh, Sugoi, des notes, incroyable, j'ai pris. Objet de collection historique. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Hop, ça, on prend... Ça, on prend... Ça, on prend... Très bien. Ok, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Atterrissez sur des amortisseurs. Ah, les matelas! Bien joué! Allez, let's go! Ok, bon, il aurait pu taper son plus beau plongeon quand même. Ça aurait été bien stylé. Malheureusement, il ne veut pas. Oh, Ville d'Ore! On va les fouiller, on va les fouiller. Vous inquiétez pas. On va prendre notre temps. Quitte à ce qu'il n'y ait pas fufu, autant faire les choses bien. Ne pressons pas trop. Vous inquiétez pas. On va le retrouver. Vous inquiétez pas, l'aventure est toujours à deux. Et il est en train de faire le tuto en parallèle. Pas de soucis pour ça. Et d'ailleurs, il est même un petit peu avancé parce que le temps que je lance le local recording... Allô? C'est Aiden. Tu m'entends maintenant? 5 sur 5. Ça veut dire que tu dois être prêt. J'ai traversé le lac à la nage. Alors, tu as presque atteint les tunnels. Il y a une entrée. La seule que le GRE a laissée quand il a fermé la ville. Je viens par l'autre côté. Bon. Dépêche-toi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Vite. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vite. Ouais, mes frères, explique, non? Mais pas les autres dans la merde, mon ref. T'es tout seul. Quoi? Il y a un zombie, là. Qu'est-ce donc? Mais c'est un zombie, je viens de le dire. Il a comme une odeur fétide. Voilà. On est où, là? Oh. En vrai... Hop, je le fouille, rien à péter. Oh, putain, il avait de la tunasse. Ok. On va courir. Ça sert à rien. Ne perdons pas plus de temps. Let's go. Oh, putain de merde. Pardon, excusez-moi de cette vulgarité. Enfin, il y avait peut-être des trucs à fouiller, là. Ça, on y va. Bonsoir, monsieur. Vous êtes beau. Mais restez beau loin. Oh, putain, les problèmes. Ah! Voilà. Ok, je ne sais pas c'est quoi. C'était sûrement un générateur pour allumer le petit panneau publicitaire. Ça, on prend de la camomille. Peu cher, bonne mère. Ils sont beaucoup, là. On va pas tous les tuer. Faut pas abuser. Je suis sympa, mais n'abusons pas. Quoique, je peux peut-être briser des nuques. C'était mon boulot avant. Hop, élimination discrète. C'est terminé pour lui. Je sais, la vie est parfois compliquée. Ok. On va passer par où? On a plusieurs solutions, mais j'en vois une... Un petit peu plus sympa qui s'offre à moi. Celle-ci, bien évidemment. Ok. Hein? Yatcha, bordel de merde! Attends, quoi? Comment ai-je pu louper? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je suis si mauvais que ça? Hit! Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je cours. Ok. On fait un petit check de temps en temps. Très bien. On va passer par ici. Oh, j'aime bien ça, ça cascade à mort. Hop, je suis passé de l'autre côté. Cascade peut-être un peu trop. Ok. On continue. Parfait ça. 160 mètres. J'entre dans les tunnels. Hé hey, tu m'entends? Cette histoire n'est... C'est pas la porte d'à côté. J'arrive. Ok.
Oh, les tunnels, ça sent pas bon. Oh là là, tout ce qui est égout, tunnel et tout, c'est chiant, c'est chiant. Retirez-moi ça des jeux vidéo tout de suite. Mon instinct de survie devient de plus en plus claqué, ça sent pas bon. Y'a quelqu'un ? Y'a même quelqu'un en talon là. Merde, ça a pas l'air bon. Mais quand c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on continue de s'enfoncer en enfer. C'est quoi tous ces corps, frérot ? Oh les gars ! Oh mon dieu ! Tu vas bien ? Ce fumier m'a mordu ! Un rapace ! Il y a beaucoup de ces enfoirés dans les égouts ! Vite à la lumière ! Ah, plus tard ! Faut qu'on file ! Résiste ! Ça va passer ! Reste fort ! Ouais, oui, je suis infecté, mais ils ont trouvé le remède ! Voilà ! Pour te chercher ! Et que dis-tu de celui-là ? Il a l'air mort. Il l'a pas sur lui. Allons-y ! Je n'ai pas la clé, je le jure. Alors attendez, parce que si l'informateur il brûle, c'est embêtant ça. Bordel de merde ! Vraiment ? Je n'ai pas la clé, je l'ai détruite. J'ai fait ça tout seul. Le patron sera capable de l'amener à s'ouvrir. Ok, on va essayer de sauver le ref hein, quand même. Quoi ? Parle ! Ok. On prend, sait-on jamais sur un malentendu. Cascade ! Cascade ! Ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Plus de peur que de mal. Heureusement qu'ils ont pensé à un autre bord. Cascade ! Voilà. Aïe ! Ok, je suis contaminé ! Bonsoir. Des cigarettes. En cas de contamination beaucoup trop abrupte. Ok. Attendez, j'ai trouvé des trucs cool en vrai. Est-ce que par hasard je peux pas me les équiper ? C'est quand même mieux. Attends, 18 de dégâts, c'est incroyable ça, on met direct. Très bien. Bah c'est déjà équipé paraît-il. Ok. Par contre, niveau... on peut parler de mes fringues un peu là ? Mon équipement totalement ridicule, on est où là ? Oh. Ouais... Mais c'est pas possible, c'est dans mon sac à dos peut-être. J'ai vraiment rien ramassé, même pas une... C'est ridicule. Ça n'a pas de sens, voyons. C'est embêtant. Allez, go. Ok. C'était évident, c'était écrit. Ok, il y a une planque ici. Ah,
être mort. Où as-tu caché notre clé, gamin? Je sais pas de quoi tu parles. Laisse-le partir. Tu vas nous obliger à te laisser partir, ratail. J'aimerais bien te voir à l'œuvre. Allez-y. J'aurais dû le voir arriver. Elle a bloqué une attaque. Ok. Au moment de bloquer aux dernières attaques, c'est une parade parfaite. Les ennemis sont désorientés. Très bien, ça. Ok. Attends. Aïe! Hop! Oh, il est fou, toi! Ok? Allez, tape! Ok. D'accord, donc il est mortel tant que j'ai pas fait 3. Ah, dommage. Prends-toi ça, espèce d'enculé. Allez, viens. C'est monsieur enculé pour vous. Hop, dans ta gueule, tu m'as saoulé. Voilà, allez. C'est terminé pour toi, vas-y, viens, bibiche. Voilà. C'est terminé. Quoi? Oh, les problèmes. Allez, venez. Allez, venez. Allez. Putain, il résiste, lui, hein. Un mort. Hop, je le fouille devant toi, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire parce que t'es qu'une petite merde. Oh, t'as pas... Oh, putain, remets ton masque. Remets ton masque. Remets ton masque, jeune caca. Eh ben voilà, allez, on se débarrasse. Donc on peut maintenant aller sur le point de combat, sauter par-dessus des ennemis, pardon. Courir dans un ennemi désorienté, R2... Oh la vache, ça a l'air complexe. Ça a l'air complexe, mais très stylé quand même. Bon, voilà. Toi, faut pas que t'abuses aussi, hein. Ça c'est ton problème toujours. Hein. C'était qui? On n'a pas le temps. Dans ma poche, je t'ai laissé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une clé d'accès au GRE. Les pacificateurs, ils l'ont trouvée. On ne peut pas la perdre. T'allais me dire ce qui est arrivé à ma sœur. Où est Mia? Tu vas aller au Fichai. Là, tu demandes à parler à une fille du nom de Lawan. Donne-lui ça. Avec ça et son aide, tu sauras. Tu sauras tout. Compris? Protège-la. Si Waltz la récupère, la ville tout entière, tout le monde mourra. Waltz? Est-ce que Waltz est là? Ouais. Ils arrivent. Tu entends? Des renégats. Cours! On ira ensemble. Prends ça. Allons-y. C'est quoi ce bordel? Voilà! Notre premier est garé, mais il n'est pas seul. Ouais, on peut réparer ça. Ouais, tue-le! Ah! Servez-vous de la voltige. Ok. Ça va être bien complexe tout cela. Let's go! Nickel, ça a pas marché. Ah mais non, mais qu'est-ce que je suis con aussi, ça c'est mon problème. Voilà! Oh putain, oui, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Ouais, on peut faire du saut de mouton, c'est incroyable. Ok, venez. Ah ah. Oh la vache. Oh, t'étais un peu loin, je l'accorde, je te l'accorde. Oh. Voilà. Oh merde. Ton crâne. Mais frère, tu saignes du crâne, arrête. Non, toi tu dégages, tu me saoules. Oh pardon. Oh damn. Je vais pas être doux avec... Attends, parce que tu vas finir. Hop, ça c'était pour le style. Mort. Voilà. Plus de bras, plus de chocolat. C'est bien dommage. Putain, mais c'est pas vrai, ça ne s'arrêtera jamais. Attends, là faut que j'esquive là. Ok. Fais un mot
Ok, d'accord. Ok, non, là, il n'y a plus de tuto. Là, il n'y a plus de tuto, très bien. Ok. Attendez, il y a beaucoup d'accumulation d'informations, là. Ok. Hop, des petits coups comme ça de clé à pipe. Oh bah. Oh bah, c'est ridicule votre mort. Non mais là vous faites humilier les gars. Wouh. Ça va les gars? Ça s'arrêtera jamais. Mais je cours où? Hop, on fouille. Voilà. Allez Aiden, aide-moi. Oui, 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 ça va. Oh, t'es pas tout seul. Barrons-nous vite d'ici. Là, est-ce que tu as ma clé? C'est Waltz, il faut qu'on se barre. Mais je le cherche. Espèce d'idiot, il te tuera s'il te trouve. Dylan! Merde, va aux conduits d'évacuation. Vite, pars ici, vas-y en premier. Qu'est-ce que tu fais? Sinon, j'ai un ami qui s'appelle Tarfuniral, hein, vous l'auriez pas vu. Souviens-toi. Quoi? Laisse-moi sortir! Vijay, Lawan. Allez! Ok! Bah, merci quand même! Salut, Dylan. Hé, les gars! Laisse-le partir. Est-ce que tu m'as trahi? La clé ne t'appartient pas! Tu peux pas! Où est-ce que c'est? Ici! Non! C'est terminé. Désolé. T'es dans le brouillard? Pas vraiment. T'es juste en train de mourir. Avant la chute, mon grand-père élevait des chevaux. De belles races, rares. Je les aimais tendrement. Un jour, son cheval préféré est tombé. Il s'est cassé la jambe. Je pensais que grand-père l'aiderait. Mais il a juste sorti son pistolet. Et il l'a mis dans ma main. Il m'a dit... Fais-le pour lui. Puis il a pressé mon doigt sur la détente. J'ai hurlé. Je voulais que mon grand-père meure. Mais des années plus tard, j'ai réalisé. Ce qui doit être fait... doit être fait. Tu ne me laisses pas le choix, mon ami. Il y a quelqu'un. Dans le conduit! Chope-le! Bah, il était temps que quelqu'un m'entende ou qu'on me voit là, parce que... Allez, let's go! On va mettre tout ce qu'on connaît à notre... à contribution pour essayer de s'en sortir vivant. Ça serait pas mal! Non, 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 non! Ok. Objectif mis à jour. Bon, allez, on est reparti. Bon, la vache. Attendez, quoi? Ah, c'est rond pour plonger, bah oui. Allez, on va s'en sortir. Rendez-vous à Ville d'Or. Commence à faire loin tout ça, hein. Bon, l'informateur est mort et ça, c'est problématique. Vous avez bien vu que j'ai essayé de le sauver plus d'une fois. Malheureusement, on ne pouvait rien faire pour lui. Il aurait dû dire qu'il se l'est mis dans le cul. Il aurait peut-être kiffé. Ah oh, putain, c'est vrai que je suis contaminé, ça change pas. Bah oui. Si c'est que ça, ça va encore, mais... Sinon, quelqu'un aurait vu un ami qui s'appelle Fufu ou pas? Parce que je l'ai laissé en ville, mais... C'est incroyable! C'est un beau tuto, en tout cas. Hein. Ah!
Mon corps est en pleine croissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien ce qui se passe, t'es contaminé, bordel de merde. Tu l'as dit de ta même, le rapace il t'a mordu. Bon. Vers l'inconnu. Allez, let's go. Quoi? Des temps de chargement sur PlayStation 5? Pardon, je suis outré. Sans moi, je te l'avais pas dit, putain. Quitte-toi, putain. Il faut mettre en pièce. Chut, pas maintenant. Diana, laissez les lecteurs. Qui c'est, bordel? Vas-y, dépêche-toi. Amène-les ici. Connard. Putain, connard. Ça me rappelle le Covid, tout ça. Première dose, trophée obtenu. Il bouge. Akon, tue-le, Akon. Tue-le avant que je le fasse pour toi. Hé, Molo, du calme. Respire. On dirait qu'il s'est pas transformé. On dirait ? Akon, je veux pas ça ici. Tu nous es revenu. Cligne des yeux si tu comprends. Putain, ma tête. Ah. T'étais sur le point de te transformer, mais les UV et les inhibiteurs t'ont fait revenir. La batte a aidé aussi, bien sûr. T'es vivant. Que les choses restent ainsi. Le gars a failli tous nous tuer et tu lui fais la conversation ? Hé, hey, les filles, du calme. Elles ont peur. T'as failli détruire leur atelier. Faut qu'on se bouge. Tu peux marcher? Mais je comprends pas. Où est-ce qu'on va? Dans un endroit sûr. Il faut que j'aille au fisheye. Le fisheye? Sans biomarqueur, tu pourrais pas t'en approcher. C'est quoi ce bordel? Un biomarqueur? Ça surveille l'évolution de la maladie dans le noir. C'est ton ticket pour la ville. Sans ça, sortir de la lumière est une sorte de loterie. Tu sais pas quand tu vas te transformer. T'as besoin d'un biomarqueur. Et je sais où en trouver un. Allez. Il se transforme à nouveau. Du calme. Tout est sous contrôle. Ça va, tout ira bien. T'es faible. Prends une minute. Bois ça. Sérieusement, c'est quoi la suite? Lui faire couler un bain? Ça me semble plutôt confortable, mesdames. Peut-être la prochaine fois. Va te faire voir, Akon. Elle m'adore. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Apprenons à nous connaître et découvrons-le. Vas-y en premier. T'as trouvé ça où? Ça te concerne pas. T'es prudent.
C'est bien. Tu vivras plus longtemps. T'es un vrai pèlerin ? Ou t'as volé ce badge ? J'étais un pèlerin. Une heure avant le crépuscule. Je suis sérieuse, Akon. Il reste pas ici cette nuit. Tiens, ton arme et ta radio. Même un pèlerin pourrait pas s'en sortir sans. Allez, on y va. Ok, bon, pourquoi il dit un ancien pèlerin ? C'est bizarre cette histoire encore. Y'a rien à péter ici là ? Rien à foutre, hein. Moi je vole chez les gens. Hein. Tiens, je peux te fouiller toi ? Ah non, par contre je peux lui parler. Oh putain, y'a un truc là. Une note, je prends, ça dégage. Ça c'est dans la poche. Ah, rien à foutre, même un bout de papier on prend. Coucou ! C'est un chouette endroit. Prends pas trop tes aises. Pas besoin d'un autre coloc. Encore moins s'il est capable de nous voler pendant qu'on dort. Tous les pèlerins sont pas des criminels, tu sais. Il est mignon ton atelier là. En plein assemblage de l'empuvée, hein. Ouais. Tu devrais pas être ici. Akon risque nos fesses. Akon a complètement pété les plombs. Pas mal. Où est le fichaille ? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. Allez, on va demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider ? Il va sûrement mourir rapidement. T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... Il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où ? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 kilomètres. Oh merde ! Comment t'as fait pour pas être infecté ? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran ? Ils ont isolé Vildor aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur ? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi, c'est Akon. Et moi, Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. Ok. Eh ben, on court. On peut toujours pas l'inviter maintenant pour objectif. Suivez Akon. Hop, faut que j'arrête. Alors là, ça va être terrible. Hein. Par ici. Dire Akon au lieu de Akon, je vous le dis. Oh la vache, toi tu sautais classe. Attends, je vais faire la même. Ouais, c'est pas aussi classe. Tu te débrouilles bien. J'étais militaire. Unité spéciale ? Pendant 7 ans. J'ai même aimé ça. Sauf quand c'était pas le cas. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Va te faire foutre. Au moins, j'ai appris à me repérer dans la ville. Ah, allez. Quoi ? Comment ça se fait que j'ai vécu un aller simple pour l'enfer, là-haut ? T'es trop faible. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Eh, parle mieux. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné ? Mais je croyais qu'il allait me tourner la main ! La dernière fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. C'est pas vrai, oh! Attrape ça! T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Dis-moi, pourquoi tu m'aides? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin, maintenant je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Ok. Stuff gratuit. Bosquet de toit. Lorsque vous traversez Vildor, cherchez les bosquets de toit. Ce sont les lieux à la végétation dense, reconnaissables à leurs grands arbres jaunes. Une bonne source d'approvisionnement en miel, en camomille et tutti quanti. En cas de besoin, vous pourriez
aussi y trouver des armes. Et ça, c'est beau, ça. Et nous, les armes, on aime ça, les gars. Donc, on prend tout ce qui est armes. Ok. Ok, c'est très, très beau, même. Ça me plaît. Les gens plantent des tas de trucs dans des endroits comme ça. Au cas où quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. Hein, rien à péter. J'ai pas de potes ici de toute façon. Est-ce que ça vaut le coup que je me soigne ou pas? Ou c'est... d'après vous? Oh là là, le trésor à la Zelda! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne sais pas! Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Ok. Alors, vous inquiétez pas, ça devrait pas tarder normalement. En ce qui concerne Monsieur Funeral et le mode multi, c'est toujours un tuto. Eh oui, c'est un grand tuto, mais c'est toujours un tuto quand même. Allez, on cavale. Let's go pour la suite. Cascade! Parfait. Cascade! Double cascade! Parfait, ça. Ah, tcha-tcha. On va essayer d'avoir le biomarqueur. Alors, c'est beau! Le jeu est beau! Ça a de la gueule! Stop! Oh, bah, il est mort. Ah non, c'est bon. Alors, il y a une armée ici? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de durs à cuire qui parlaient du nouvel ordre. Mais pour moi, c'est toujours la même rengaine. Ouais, c'est comme ça ici aussi. Et les pacificateurs sont de pire en pire. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Eh, on y va? Tu voulais pas me montrer quelque chose? Carrément, suis-moi. Bon. Allez, cours mon ref. Sinon on va mourir. Et j'ai pas envie de mourir. Je suis déjà mort une fois. Allez. Dépêche-toi mon ref, frérot, fais de la place pour les autres. Quoi? Ok. Eh ben, ça consomme sale, ça, hein. Ok, ça c'est beau, ça. Ça, je respecte. Ah, on va essayer d'aller au bout, de manière à avoir, dans l'épisode 3, Dark Fufu. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. Ok. Attends, il fait déjà nuit, là? La nuit tombe. Ils vont bientôt se réveiller. Vite! Ouvre le coffre. Pardon? Mais laisse-moi passer. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Ok. Merde. Des voleurs. Attends. Non. Laisse. Si t'abîmes ma serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur? Où est-ce que t'as eu ça? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens. Et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Allez, il a l'air cool. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. T'en dis déjà beaucoup. Un gars du nom de Walls l'a tué. T'en dis avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour en que gros, Walls la tout récupère dire, pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au Fisheye. Ah, on verra bien, hein. Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. Ah!
On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite. Ah, le biomarqueur, c'est potentiellement pour me garder toujours non infecté, vous voyez ce que je veux dire? La lumière UV est un signe de sécurité, la seule véritable protection pour les infectés, cherchez-la. Quand vous êtes poursuivi, maintenez R3 enfoncé pour utiliser votre instinct de survie et marquer la lumière dorée la plus proche pendant la nuit. Très bien. Ça, ça me dit quelque chose. C'est la première fois qu'on joue un infecté, on est d'accord, hein? Allez, c'est à 100 mètres! Dépêche. Dépêche, mon ref. Je dois te suivre, mais si tu prends pas le chemin le plus opti, on est dans la merde. Allez, allez! Dans la lumière! T'entends ça? Ok. On y est bientôt. On y est presque. Un peu plus loin. Oh non. Quel enfer! Mais que se passe-t-il? Ah, je suis perdu! Ok, c'est bon. Plus de peur que de mal. Ouvrez! Hello! Reste dans la lumière! Akon. Allez, ouvre maintenant! Akon, un hurleur arrive. Des biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul! Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Et un peu de matos électronique. Fumier. Ouvre. Ah, ah. Espèce. Mais quel bâtard, wesh!